Une limace de mer dans un sloop, c'est la première fois que je vois ça. Du coup, capitaine patron, monsieur Sid, chef, on va peut-être lui laisser le sloop, non? Oh, moi? Céder un trésor de pirate? Tu rêves? Qui sait ce qu'on peut encore trouver entre ces bouts de bois à part cette grosse baleine de limace? Allez, en avant, toutes! Sid, ici Ryder, il faut que tu abandonnes l'épave. Ah, un pirate n'abandonne jamais rien. Je l'ai trouvé, il est à moi. Ok, Rocky, on va devoir couper le câble. Prépare ton chalumeau. Je suis sur place, j'attends ton signal. Chase, la limace de mer devra rester tranquille pendant qu'on coupe le câble. Il y a un seau avec du calamar séché sur ton bateau. Ça l'occupera. C'est bon, je l'ai trouvé. Sid, le câble va être sectionné. Alors arrête de tirer dessus ou tu vas avoir un mouvement de rotation. Alors si tu le dis, j'arrête, c'est bon. Je n'arrêterai jamais. Quand la limace aura fini de tirer, on lui arrachera le sloop d'un coup sec. Qu'est-ce que je suis futé comme pirate? Ah! Approche encore, Rocky. Maintenant! La limace s'est calmée. Maintenant! Chase, tu peux descendre le treuil. Treuil! Rocky, fixe le treuil au mât du sloop. Treuil fixé! Tu peux tirer, Chase! Montrons-lui où le sloop se trouvait. La limace sera heureuse de retrouver son univers. Aucun mollusque ne viendra me piquer mon trésor. On va le récupérer. Marche arrière, toute moussaillon hardy. À vos ordres, capitaine. Capitaine, patron, monsieur Sid, chef, le gouvernail a été endommagé. Sans lui, on est perdu. Chase, je sais où était l'emplacement du sloop. C'est juste ici. Elle m'a tout l'air d'une limace heureuse. Ryder, le sonar détecte un objet en rotation. Allons voir ce qui se passe. Tu le pilotes bien, ce sous-marin. Tu le maîtrises à la perfection. C'est Sid. Son gouvernail est faussé. Sid, ici Ryder. Ton gouvernail est déformé et tu as perdu le contrôle. Tu dois couper tes moteurs. Ryder a peut-être raison ce coup-ci, capitaine, chef. Je commence à avoir l'estomac tout remué à force de virevolter comme ça. Oui, moi aussi. Oh, prends le pas de combat, je vais couper les moteurs. Wow. Pourquoi ils ne s'arrêtent pas? Ils vont heurter des bancs de poissons. Si on continue à tourner, c'est que les commandes ne doivent plus répondre. Marcus, lance la ventouse sur le sous-marin de Sid. Vite. Moi? Mais viser, c'est pas trop mon truc. Marcus, je ne peux pas le faire. Il faut que je pilote. Allez, tu fixes bien le ballon. Le sous-marin. Et tu te concentres. D'accord. Je fixe bien le sous-marin. Je reste calme. Et maintenant! Oh, je savais que j'étais pas douée pour ça. Tu vas y arriver, Marcus. Je fixe la cible. Je me concentre. Je n'arrive pas à croire que j'ai réussi. Oui, je savais que tu pouvais le faire. T'es un super dalmatien. C'est l'un des plus beaux spots pour la plongée. Ryder, merci encore d'avoir sauvé ce lieu merveilleux et notre monstre marin. Ça la fait rire, cette chippie. Si jamais t'as besoin d'aide, n'hésite pas pour nous appeler. Il doit forcément rester un trésor dans ce sloop. Et je le veux à tout prix.